Tina Glamour, la mère de Didier Arafat, met encore une fois de plus Carmen Sama en garde à propos de la photo qui circule depuis sur les réseaux sociaux. Tina Glamour met en garde Carmen Sama. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! Depuis quelques semaines, la veuve de Didier Arafat est très présente sur les réseaux sociaux. Près de 7 mois après le décès tragique de son prince charmant, la belle Carmen Sama a plusieurs fois été aperçue dans les postures qui ont suscité la polémique sur la toile. Invitée récemment à l'émission People et Mick, la mère de Didier Arafat s'est exprimée sur l'agissement de son ex-belle-fille, Carmen Sama, qu'elle a mis au compte de la jeunesse et de l'entourage de Carmen Sama. Sur la photo qu'on trouve Carmen Sama et bébé Philippe, Tina Glamour s'enflamme enfin. Eunice Dunon est-elle vraiment jalouse de Carmen Sama? Voici la preuve. Traitée de jalouse pour avoir manqué son accord relativement aux nombreuses apparitions sur les réseaux sociaux, la veuve de Didier Arafat, Carmen Sama, Eunice Dunon, a tenu à clarifier les choses. La jeune et belle web humoriste ivoirienne Eunice Dunon avait l'habitude de s'en prendre à Didier Arafat, qu'elle appelait affectueusement mon mari, reculté en tant que chroniqueuse à l'émission People et Mick, diffusée à la troisième chaîne de télévision nationale. Bébé Pouche Pointu n'a pas été tendre envers la veuve du Daïchikan, Carmen Sama, lors de leur récent passage de Tina Glamour à ladite émission. La blogueuse s'était insurgée contre de nombreuses sorties de la mère de la petite Ravna seulement quelques mois après le décès tragique de son conjoint. Si Maël et Ezekiel font cela, c'est-à-dire s'exhiber sur les réseaux sociaux, on dira qu'ils veulent ressembler à leur père. Et Carmen Sama est la femme de Didier Arafat, et donc on ne peut pas accepter cela, a soutenu la belle Eunice Dunon. Cette sortie lui a aussitôt attiré la foudre de plusieurs internautes qui ont estimé qu'elle est jalouse de Carmen Sama. Dans une vidéo, la talentueuse blogueuse ivoirienne a tenu à clarifier les choses. Elle a expliqué qu'elle a simplement joué le rôle qu'on lui a demandé de jouer lors de cette émission. Ce n'est pas parce que vous pensez qu'une personne est bien que tout le monde doit penser la même chose. Je ne vous empêche pas d'aimer Carmen Sama et de l'apprécier. Mais là, je suis au travail et je fais que ce que mon travail me demande. Il fallait faire parler maman Tina Glamour et j'ai employé les moyens qu'il fallait pour la faire parler. Dieu merci, les choses se sont bien passées. Je n'ai pas eu d'embrouille avec elle, ce n'est pas personnel, même si j'ai mon avis personnel vis-à-vis de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement entre Carmen Sama et bébé Philippe. Mais ce n'est pas ce que vous pensez, il n'y a pas de jalousie, a-t-elle rassuré.